peu franc. Ok, on reprend. Là, j'ai filmé en fait dans l'épicerie sociale. Hein. Il y a un réfugié qui est là, un black. Alors à la caisse, c'est une black aussi, hein, avec un accent un peu. Un réfugié qui est là, qui fait du réassort. Je sais pas s'il est stagiaire ou ouais, c'est, je crois que c'est ça, c'est du bénévolat. Hein. Je crois qu'il y a une seule salariée et les autres c'est du bénévole. Je sais pas trop quoi, les mains libres, bon donc voilà. Hein, donc on se retrouve avec des réfugiés qui font du réassort dans une épicerie sociale. Alors le boulot complètement absurde, hein, le truc qui sert à rien hein, dans un épicerie sociale. Donc le modèle du supermarché reproduit pour le social. L'absurdité absolue quoi. Le mec il a traversé les frontières, il a risqué sa vie pour se retrouver dans une épicerie sociale. Oh, à faire du réassort. Et bon, je vais reprendre parce que là ils sont en plein travaux. Voilà. Ils sont en train de péter. Là, ils sont en train de péter la vitre. Ils en ont pour un moment. Là. Ok, bon, j'ai rencontré un ancien de Sésame, là, enfin un gars qui s'est fait virer. Donc Sésame, il vire les gens comme ça. Bon, ils l'ont foutu à la rue, quoi, comme ça. Enfin, ils m'ont dit, dégage, il y a eu une embrouille, en fait. Donc, je sais pas s'il y a de la place ou pas, mais de toute façon, bon, ils avaient l'air un peu largués, tous ils étaient bourrés, là. On va improviser, hein. On va improviser. Là, on est vendredi. On va voir un peu si... j'appellerai bien le huissier, quoi, dans l'après-midi. Leur mettre un peu la pression, voir un peu comment ça se passe. Ça serait bien la gendarmerie aussi, je sais pas quelle heure il est. Là, j'ai la niaque, hein. J'ai envie de leur... j'en ai marre, quoi. J'en ai juste marre, en fait, de me la faire mettre à l'envers comme ça. Bon, allez, je vous laisse, à plus.